c'est pas toi sur. Vas-y, va sur YouTube vite fait. Ils vont pas aller voir Master Snake ou quand même. Ah oh, putain. C'est Master Snaku. Faites genre que c'est moi les gars. C'est comme l'autre hier soir. Ouais, je peux monter en cam, je suis machin. Ouais, ouais, là t'es en train de faire quoi? Et ils sont tous comme ça en train de se lébran après en cam. Ils me dégoûtent. Oh, ça m'est jamais arrivé encore. Les mecs, c'est vrai, c'est la première fois hier soir. Hein. T'es prête? C'est vraiment la fois que t'as pas de chance. Hein. C'est pas ce matin? Il est sérieux là? Oh putain, j'ai flippé pour ma chaîne Twitch. Ah oui. Nemo et tout. Oh, j'ai flippé. Mais Mambo, c'est moi qui le. Tu marques Master Snaku. Juju, il est mort de rire. Master M-A-S-T-E-R. Snaku, mais attaché S-N-A-K-O-U. Je vais vous dire, ça m'avait manqué ces petits lives, franchement. Ça change de Bigo. Hein. Pourquoi Bigo, c'est de la merde? Enfin, les lives, c'est de la merde? Non, je sais pas, j'ai du mal à m'adapter, tu vois. Je suis rentré en agence et tout, mais je crois que je vais tout arrêter. Oh non! Mais attends, le 70-30 au moins. Oh non! C'est pas lui! Prends-le en cam, on fera si c'est lui. Je vois à quoi il ressemble, le Master Stack. Vas-y, tu prends en cam, la vérité, si c'est pas lui, je le vire. Demande à Virginie qu'elle aille voir sur YouTube. Ça serait énorme si j'arrive à passer. Mais regarde, non mais regarde la tête. C'est pas du tout la même. C'est pas. Attends. Merde. Regarde. Ah, j'avoue que. Mais après, avec les Photoshop et tout, on peut pas savoir. Vas-y, mais tu sais quoi, il monte en cam. Si c'est pas lui, la vérité, je le vire. C'est qui l'a? Pourquoi c'est... Vas-y, ça marche. Vas-y. Demande la cam, Guillaume. Vas-y. Bah, c'est fait. Ouais, salut, ça va ou quoi? C'est Master Snaku. Bien et toi? Bon, on est là, hein, frère. Hein. C'est l'archi, je crois. Hein. Ouais, je crois que je te connais de Bigo, toi. Ouais. Ouais, parce que je t'ai déjà vu. Toi, t'es un bon, toi. Tu m'as tué tout à l'heure quand t'as dit, ouais, la meuf, je vais lui prendre par le Uxer la boîte à caca. Tu me connais d'où, Bigo? Tu connais ouais, mon ouais, agence, ouais, j'ai déjà traîné, je sais pas si tu vois qui c'est, Ophélie. Merguez. Merguez, ouais. Moi, je suis dans l'agence. Ah, la Famax. Je suis déjà passé une fois parce que j'avais parlé un peu de mes activités sur Twitch, YouTube et tout. C'est la famille. Ok. Ouais, bah attends, tu vois, regarde, parce que là, chez Yen, tu me croyais pas. Regarde, tu me croyais pas. Regarde. Regarde la barbe, c'est moi, c'est Master Snaku. Je sais pas si tu vois maintenant. Ah, tranquille. Non, mais on voit tellement de choses bizarres ici. Et puis après, je me suis dit, vas-y, je m'en bats les reins. Au pire, si c'est un mec en train de se lébran, il va aller sur ouais, un plaisir en live. Non. Ouais, c'est ça, ouais, il sera bloqué et banni. Et mais ça faisait un moment que je suis plus là, avant j'avais ouais. Le statut VIP. Mais c'est différent, cette application, c'est pour trouver l'amour, tu cherches une go ou... Elle était pas mal chez Yen, hein. Elle est pas mal. Non, hein, non, rien du tout, juste je reprends contact, tu vois, avec les personnes qu'il y a là sur mon live, juste de la reprise de contact, rien de plus. D'accord, parce que... J'avais installé ça, c'était un pote, il me l'avait installé au début du confinement, tu vois. Et non, il m'a dit, ouais, tu vas voir, il a vu que j'étais tout seul, tu vois, t'as des lives et tout. Et puis, je me suis pris au jeu, tu vois, je me suis mis à faire des lives. Mais je livais beaucoup à une époque ici. Hein. Ouais, je livais vraiment beaucoup hein, pendant le confinement. Des fois, ça m'arrivait de faire des lives pendant 10 heures d'affilée. Mais ça te rapportait de l'argent, j'espère, parce qu'il faut que ce soit rentable. Non, je redistribuais tous les cadeaux que j'avais. Ah ouais, le vrai mec, le gars sympa, quoi. Ouais, non, j'étais là juste pour passer du bon temps, passer des bons moments, rigoler, on se faisait des défis à apéro. Après, la petite chienne, tu vois, elle me plaît bien, mais tu vois, moi, je suis bi en ce moment, je suis full garçon en ce moment. En ce moment, tu vois, je suis full garçon en ce moment. Ouais. D'accord, c'est pour ça que t'as mis Ouais, voilà, j'ai pas envie qu'on sache qui je suis, tu vois. Donc là, c'est juste pour draguer des cums et tout, tranquille. D'accord, voilà. Ok. Mais la Cheyenne, franchement,
tu irais, t'irais bien avec elle, je trouve. Elle est grave fraîche. Avec laquelle? Chez la meuf juste avant, elle a du caractère et une vraie boîte à caca, quoi. Ah, les boîtes à caca qui dit. C'est ma phrase, ça, la boîte à caca. Je sais pas si elle nous regarde là, on lui passe le coucou, hein. Non, mais il y a des filles, hein, mais je pense qu'il y a des filles. Je pense que tu trouveras, on va dire, boule à ton, enfin bref, à ton sgeg, quoi, j'espère. Tu trouveras bien. Ouais, bah moi, tu sais, je Ouais, je sais cherche bien, mais rien, si tu toi. peux faire une pierre deux coups, s'il y a moyen que tu as un feeling avec une meuf, t'as envie d'aller loin et qu'elle habite pas loin de chez toi, tu la cartouches. Tu la cartouches en deux spi, et tu vois, en plus, je vois que tu as été dans une maison avec ta famille, ça sera pas cramé, gros, ça sera pas tricard. Tu fais ça dans le jardin. Bah là, je suis chez, là, je Ah, suis ok. chez des amis. Il y a une fille que j'avais connue sur l'Ovo, Propre! justement. Sartec? Ouais, elle est cool. D'accord, ok. Après, t'as pas d'attache, t'as pas de famille à côté, une meuf ou des gosses, tu t'en bats les couilles, non? Non, chez moi, que je suis dans ma région, non, 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 non. Ma mère, j'ai des nouvelles que lorsqu'elle a besoin d'argent. Ouais. Mon frère, si on se parle, mais il habite un peu plus loin. Mes soeurs, Ouais. c'est pareil, tu vois. Moi, dans la région, j'ai plus Attends, elle m'a d'attache, tu vois. répondu, C'est pour Cheyenne, je ça suis que pas j'ai timide, mais par contre, je suis pas une pute, alors calme-toi quand même. Non, j'ai pas dit que t'étais une peur. pute. Pour une meuf, on va dire que t'es un petit peu dévergondé à montrer un petit peu tes nibards sur une caméra. T'es à l'aise, on va dire, avec ton corps. Elle me tue. Maintenant, les meufs, elles vont se plaindre de pas être des putes. Elle est sérieuse, elle. Oh, je me marre. Vas-y, reprends-la si tu veux. On va lui laisser son droit de parole, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais évite de parler mal, Cheyenne. Attends, je t'ai mis en videur parce que j'ai pas envie qu'on Ouais, saute. merci, merci. Vas-y, je vais la J'ai pas envie regarder qu'on saute. s'exprimer, il n'y a pas de problème. J'ai pas envie qu'on saute du live. Tu penses qu'elle l'aurait fait direct, elle m'aurait ban? Je sais Bah, pas, je sais pas. Je sais mais merci pas. en tout cas pour la modération, Non, c'est mais cool. c'est bon, il a de l'humour, Ouais, c'est de Virginie. l'humour, prends le yimbe. Je te prends un peu de haut, enfin voilà, parce que si je te prends de bas, je vois que t'es gros sein. Je vois rien, gros. Il y a du monde au balcon, comme on dit. Oh, le tueur. Ah, t'es un bon, ouais. Franchement, merci hein, Oh, le d'accepter tueur. mon humour, tu vois, je suis un peu détonnant. Oh, mais tranquille, tranquille. J'espère qu'on va se Ouais. croiser sur Bigo. Vas-y, ça reste. Vas-y, chaîne, droit de réponse, t'as Attends. le droit, t'inquiète. Mon idée Ouais. sur Bigo, si tu veux, mon Ouais, je idée, note tu bien, ouais. notes, c'est Nyon Momo de la place G Clichy. De quoi? N G-N-O-N, Ok. G-N-O-N. Momo. Nyon-nyon, G-N-O-N, Ok, c'est G-N-O-N. nickel. C'est noté, c'est pas dur. Voilà, c'est ça. Tu me follow, je te refollow en retour là. Et puis, et mon prochain Ah, live, t'es le merci. bienvenu. Je pense qu'il y a moyen de taper Ouais. grosse barre de Allez, rire. je te mets un... Surtout Ouais, je te sur mets un Bigo. pouce. Ouais, surtout Allez. sur Bigo. Ciao. Allez, Pas de souci, ciao ciao. Merci j'allais pour le me gauler passage. À tranquille plus en tard. pensant à elle. C'est un malade. Il est grave bon délire, le C'était pas un fou sérieux. mec. Oui, Ness. Elle Ah, va. vous voulez que je vous l'ouvre? C'est bon. Non? Il va me cover. En plus, il m'a mis Ah, mono. d'accord. Ok. Ah, ouais, attends, je vais te noter. J'ai pas très faim. Ouais, c'est un bon. J'ai pas très faim, Elle alors m'a je vais répondu, elle a prendre fait bah un n'importe CBO quoi, c'est Maxi juste un O, il y Bento, a enfin un pire Croque quoi. McDo, deux Eggs Muffin, un McFlurry et un Big Mac. Merci. Non, je Ah rigole. Je rigole. T'as noté ça où pour noter? C'est là? bah c'est ça. Non, attends. Ah ben voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Croquette Malicia, non, j'en veux pas. Et le lait non plus. Il a pas très faim, qui dit. Non, j'ai pas très faim. Faut qu'il reprenne l'autre. Même si j'ai pas mangé de la journée, j'ai pas très faim. J'ai plus envie de m'éclater la tête. On reprend. Tu vois ce que je veux dire? Surtout si elle fait avec moi, je t'éclate, moi. Il est où, cendrier? On va voir si...
Ah ouais, le pire, trois fois. Reprends Cheyenne. Bah attends, elle m'a pas demandé la cam, Cheyenne. Eh hey, mais Guillaume, je compte sur toi, sur Bigot. Hein. Franchement, ajoute-moi, je te jure qu'il y a moyen qu'on fasse serrer des têtes. En binôme, lui, je pense qu'il peut être énervé. De toute façon, dès que t'arrives, je te colle en admin. Ah putain, dès que t'arrives sur mon live, je te mets en admin et il n'y a personne qui pourra. Bah, vas-y, je dirais quand même follow. Admin. Code B sur Bigot. Non. Admin, c'est. C'est merde. Merci Blackline, merci Elio, merci Shifzu et merci bon, également à Mathieu. Merci pour les abonnements, les potes. Ah. C'est très gentil. Et Riser 60, je les appelle tout à l'heure. Mais là, pas, ouais, là, je suis un filtré. T'es là, Virginie, encore? Alors, il y avait qui était là? Alors, Jérémy. Ah, dommage qu'elle ne reprenne pas de micro. Putain, je voulais qu'elle parle. Oh, je suis dégoûté. Oh, Cécilia. Et une girl. Cécilia, je l'ai pas vu arriver. Attends, ça va être une tub, non? Sandra non plus. Jurais, vous lui expliquez ce qu'est un admin. Audrey. Ah putain, dommage que Cheyenne n'ait pas repris le micro derrière. Perte de couilles, mais la puissance 42. Juju toujours là. T'as ton ticket pour t'infiltrer, ouais. Accepte ma vidéo call. Je sais que c'est quoi ça? Quand tu veux, je t'appelle. Tu m'en donnes un bout? Un petit bout, tu fais goûter? Zirconium, s'il te plaît. Mmh. Ah, dommage. Ça, c'est bon, hein. Bon, on passera tout à l'heure, on verra. Bon, bah, c'est cool hein, pour ce premier jet. Hein. Ça va, il y a matière à travailler, quoi. Non, je vais pas prendre longtemps. Je me détache. J'ai déjà fait la douche. Je l'habille vite fait. Non, c'est cool, c'est cool. Attends, Seb du 83, c'est pas... Qu'est-ce qu'il fait ? Non, il y a des trucs sympas, quoi. Le barbecue, c'est mon jour aujourd'hui. Mes cousins, ils commencent à me regarder de travers. Mais je viens tout à l'heure. Ah, au calme. Voilà, on m'a dit on fait barbecue, j'ai dit vas-y, mais c'est pas moi qui fais. Mais pourquoi elle s'en fait un demi-cam? Ça m'énerve là, les meufs. Je t'entends plus, Bonnie. Ouais, je t'entends vraiment plus. Tu m'entends? Pourquoi tu cries? Merci, voilà, t'es nul. Et check craquet pour toi, Mathieu. J'ai oublié. Voilà. Heureusement, j'avais pas des écouteurs. Je pense que tard la nuit, on peut tomber sur des cartes. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est la famille. Ouais, ma mère. Oh, j'avais un mariage. Un mariage d'un collègue. Les modos, s'il vous plaît, modérez. Ma mère, toute la soirée, dès qu'on est parti à la salle des fêtes, toutes les heures, il mettait chez la famille. Le soir, ça doit être comme le bois. Attends, de. Je dormais, j'ai chanté chez la famille en dormant. C'est pas... J'ai l'impression qu'ils sont pas très très futés quand même dans l'ensemble, hein. J'espère. À part le mec le barbu là qui était vraiment, ça avait l'air d'être un gars. Il avait l'air d'être très intéressant, peut-être lui. Okay. Bon, lui il fait un peu peur. Bah moi ça va tranquille. On se fait un peu chier mais ça va. J'ai fait un peu de bruit. Non, pas encore. Ah, enfin, j'ai eu peur, oh là là. Je pensais qu'elle s'amusait à se... Rinou en live, je la laisse pas toute seule, elle a dit. Rinou quoi? Elle a dit Rinou en live, je la laisse pas toute seule. Non, mais ça porte à confusion, t'es d'accord, Johnny? Tu fais quoi, là, Marina? Non, il y a moyen de rencontrer des gens sympas, ouais. Smule, ça a changé, j'utilise ça comme Skype. Mais c'est regretté, ouais, un petit peu, Smule. Parce qu'au moins, il y avait un intérêt, parce qu'on pouvait chanter derrière, il y avait quelque chose. Il y avait du contenu. Bon, on a fait le tour. On y retournera une autre fois, c'était un premier jet, pour savoir un peu ce qu'il en est.
Peut-être que je referai. Bon, de toute façon, je redemanderai plus tard pour le nom du le compte du monsieur, là, le barbu. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais par contre, ouais, c'est dommage qu'il n'y ait pas de champ là. Putain, il faudrait trouver une application comme Smul, l'équivalent, quoi. Grognon, gnognon. Attends, je vais l'ajouter maintenant, je sais pas comment on fait. J'ai mon compte piou piou. Piou piou. Le problème, c'est que comme je suis pas sur le. Gnognon, le charbonneur. Y en a qui l'ont déjà follow? Ouais, mais Twitching, il n'y a pas de live. Ah, Bigo, c'est quelque chose aussi, hein, les gars. Putain. Comment on fait pour ajouter un poteau? Gnognon, ouais, c'est mon gars. Il m'a mis modo partout. La raison, peut-être c'est en partie à cause des spasmeurs, quoi. Qui allaient sur tous les lives à foutre le bordel. Et du coup, ça a eu raison. Bah, indirectement, je suis responsable aussi de ça, quoi. Parce que j'ai ramené du monde sur l'application. Il y en a forcément qui ont fait les cons derrière, quoi. Merci RachidNob34 pour tes 2 mois d'abonnement. Donc, je sais pas. C'est, le problème, c'est que maintenant, ils m'en tiennent rigueur. Hein. Ils ont monté un groupe Facebook contre moi. Maintenant, les Smuleurs. Les Smuleurs, alors que, tu vois, ça me gaffe, quoi. Je suis pas respo, quoi. Nyon, nyon. Non, mais quand tu vois quand même que... Non, mais par contre, c'est un autre délire, Bigo. Hein. Attends, c'est où? C'est vraiment autre chose. Hein. Oh, c'est n'importe. Là, c'est, à la... c'est course au... C'est quoi, c'était les beans? Oh, Dr Nat, le retour. Vente de l'appart avec succès, c'est vrai? Je sais pas comment on ajoute Nyon Nyon. Non merci. Nyon. C'est comme ça qu'on cherche. Ah c'est lui, d'accord, ok. Sûr. Ok, c'est bon. Docteur Nat passe à la caisse. Ah ouais, c'est vrai, on avait Zapac cette histoire. J'avoue, pas naïf. Il avait fait finalement ou pas les dons? BKO, je m'en souviens plus. J'avoue, pas naïf, BKO. Et là, c'est quoi les diamants gelés, Robert? Ça me fait les diamants gelés, je sais pas. C'est quoi les diamants gelés, Elena? Gelés? C'est qu'elle peut pas s'en servir? Ouais, c'est le même. Mais ceux qui disent, ouais, mais qu'est-ce que tu fais ici? Toi, t'es bladard. Moi, je suis né ici, je suis tunisien d'ici. Toi, t'es un bladard, machin et tout. Dis-lui, toi, tu fais, qu'est-ce que tes parents ils font ici, tu vois? Si la France est comme ça, ils t'auraient même pas né ici, toi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est comme ça. T'as eu de la chance, ça y est, ta maman est ici en France. Et là, tu. T'as vu la misère au bled? Ben non, mais c'est pour ça, moi ça me fait rire quand je vois des Français sont là, ils se plaignent 24h sur 24. Merci Victor, check racaille pour toi frérot. Va au bled et tu vas voir comment ça se passe là. Ah, elle a raison hein. Ah là t'arrêteras de te plaindre en vrai. Non, pour les Français, je peux pas trop... Parce mais qu'en il se plaint pas, il est blédard lui. Ils sont, on va dire... Non mais quand je dis les Français, je parle plus pas... les Arabes sont en France, tu vois. Ouais, voilà. Les Arabes, ouais. Parce qu'ils partent au bled quand même. Ils voient des choses quand même. Ils voient des choses. Merci Chimera. Tu arrives là-bas et tu vois la personne, il fait 2 mètres plus que toi, il peut t'arracher comme ça, mais il fait semblant de te respecter, s'il te plaît, ou donne-moi un euro, donne-moi un machin, ou en train de prendre ta valise, qu'elle est lourde, machin et tout. Alors que le mec, Michael Jordan devant toi, 2 mètres, il fait. Ouais. Comment on fait pour parler? Merde, putain, là il est terminé, il fait chier quoi. Je voulais intervenir pour l'aider, quoi. Dans ses arguments. Merci, Boostiflex. Oh, Rodica, tiens le regard! Rodica, tiens le regard! Tiens le regard! Comment il va? Merci d'être toujours là, mon petit Rodica.
Mais Sidi Blidar. Non, non, il y a de quoi faire aussi, mais attends, on va voir si elle est fidèle à la reine. Ah, ok, je vais faire sur les lignes. Oh non, il va ramper. J'ai rencontré cette fille, elle était partie tellement jolie que j'en ai complètement câblé. Que dans ma tête, c'est plus pareil qu'avant. Ça sort des push à tort et à travers. Mais KO, viens le calmer. Depuis que mes parents m'ont mis trop de côté, j'en avais marre de rester enfermé comme un Cro-Magnon. Regardez le mec, on qui a accompli ses rêves de toutes ses façons. En seconde traction, je faisais des pompes et des tractions. Je suis posé dans cette tête en claquette, chaussettes et grosses survêtes. Les plaquettes est cachée sous ma casquette. J'ai pas besoin de 25 minutes pour la détailler. Je crois que j'ai déjà tout consommé. J'ai rencontré cette fille. Elle est partie, mais je sais pas pourquoi. Elle m'a rendu complètement parano. Ouais. Azure de TV, Bigo TV, bonsoir à toi le broadcaster préféré. Ouais, gros, calme-toi. Live à Lilith, prêt à kicker ton morceau. Juste pour t'ambiancer dans ta putain de teuté, on sait plus quoi penser comme des crumagnons. Tu m'as pris pour un cassos comme un bolos. T'es en train d'essayer de pécho des meufs sur internet, alors tu sais même pas peura. Je te clash dans ton terre-terre, frère. Je m'appelle Rius, Rius TV, gros. Tu vas faire quoi? Master Snapo est là. Il est clashé l'autre là. T'étais dans éclaté, t'es claqué au sol, frère. Tu fais la prise, alors t'as tout niqué, gros. T'as vu ta gueule qui passe, on pousse à la masse, on perd dans la face. Ici on danse la décadence, stop. J'te crache dessus dans ta boîte, ta caca. J'te lèche tes poils, frère. J'te lèche tes poils, frère. J'te roule une pelle, mon gars. J'suis gay et j'm'assume, tu es parti. Avant que j'te mette ta cartouche. T'as quoi à dire là-dessus? T'as quoi à dire? T'essayes de pécho une meuf? Linine, elle est pour moi. Linine, t'es belle. Quand je te regarde, t'es une hirondelle. T'es belle comme une poubelle. Mais je suis capable de jutax sans toi. T'es ma déesse. Oh là, je te kiffe. Je suis avec mes sauces. Tu prends pas pour un cassos parce que je mange un os comme un bolos. Ce qui met et ce qu'il a mis. Je suis en train de dérapasse parce que je rappe plus vite que je trace. T'as quoi à dire? Vas-y, réponds maintenant. J'ai quoi à dire, tu veux essayer de me tester. Mais tu crois que t'as écrit un texte pour me tester. Tu m'as pris pour un petit poney, mais t'étais même pas encore né quand je me suis mis à kicker. Ah, ce qu'il a j'ai dit. J'ai sorti le Willy, je l'ai chargé, je t'ai Willy. Willy, 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 tu n'as rien compris. Tout ça c'est pour ma famille que je me suis mis à rapper, que je ne savais plus quoi penser. Juste à rester enfermé. Depuis le confinement, je suis obligé de me confier à des gens. Ah putain, tu rappes bien en vrai, Yo-Yo, là. Non. Par contre, le DRA, t'as vu, tu fais un peu loupé. Bra, bra. Eh, Liline, alors c'est qui a gagné? C'est moi? On est d'accord? Bon, bah, c'est moi. Liline, vas-y, vas-y. Ce sont des vrais filets de poulet. Découvrez les tenders. Découvrez. Les tenders. Ah putain, ça a planté. Ah, je te jure. Ah, c'était pas mal. Il est en edge. Par contre, le mec en droite est en dick. Non, non, il est pas en dick. Non, c'est juste que ça a freeze. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai ce bug. Il m'a quand même répondu. Hein. J'ai fait un truc ultra claque max. Et le mec, ce guignol, il me répond quoi. On va faire un fait, on fait un clip. Inch'Allah. Oh putain, je me marre quand même. Il y a Chacha qui me demande si tu vas bien. C'est vrai, BKO? Il y a moyen de faire un petit feat avec toi? Ah, mais t'es trop chaud, toi, BKO. C'est 7000 classes d'écart, quoi. Merci beaucoup, Cassos. Le noir perd toujours au point. Il a bien entendu que tu fliques les sons. Je sais pas. Mais le prof, il n'est même pas à 10K dans sa target, mais en même temps, ils sont partis en vacances depuis une semaine. Donc, je sais pas. Soit, après, d'un côté, je me dis... T'es sérieux Je me dis pas ça, gros. Comment ça, je viens de faire le feat? Attends, deux secondes. Piu, piu. Faut que je relance à chaque fois la pub, quoi. Non, c'était pas mal. Ah, tu peux produire... Bah, du coup, ça donne quoi, BKO, avec le producteur, là? À Nantes.
qui voulait te mettre. Avec moi. Donc, après, j'ai pas envie de. Il y a quelque chose d'intéressant. Ah oui, tu peux peut-être parler du foot d'hier. À mon avis, ils ont gagné Paris. Hein. Enfin, je dis ça comme ça, mais je dis rien. Il y a rien à voir. En fait, on se raconte des choses. Merci. Non, bien. Crazy. Pourquoi, Ruka? Attends, je vais essayer de. Toi. Et on y va tout de suite avec Mo. Est-ce que tu es prête, Mo? Ouais, tu peux muter tout le monde, s'il te plaît. Ça marche. Merci. Et hop là. C'est quand même pas mal, Big aussi. Hein. T'as vu, je commence à maîtriser le. De ouf. Je me mute plus moi-même maintenant quand on dit. Coucou, dodo. Allez, on y va. 30 secondes. Je veux. Oh, ouais, merci Roscoe, ouais, chapeau ouais, l'artiste. Roscoe, le top, voilà. Le top FR, top mondial 1.6. Je veux un truc merci beaucoup, qui vole dans le ciel. Un oiseau. Oui, le nom d'un roi. Henri IV. Un artiste. Jean Dujardin. Une couleur. Bleu. Un animal. Un lion. Un outil. Une clé à laine. Mais bon, un métier. Mec à droite en bas là. Postier. Une chanteuse. Céline Dion. Un diplôme. CAP, pardon. Un signe du zodiaque. Vierge. Un président. Macron. Un magazine. Ah, si tu m'aurais dit le magazine, je l'aurais accepté aussi. Ouais, bah ouais. c'est pas grave. C'est très, 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 très bien joué. Alors, ça te fait un petit entraînement pour demain, Mo. Ouais, attends, grave. Tu t'es qualif, hein. 2, 4, 6, 8... 10. Oh non, purée, tu m'aurais dit le magazine, t'aurais été qualifié. Arrête. Il se lèveront là, si vous êtes sûr. T'es à 11. T'es à 11. C'est Nana. Oh non. Oh là là. Moi, je veux bien, Mo, qu'elle recommence si je peux recommencer parce que personne n'était mute pour moi. Non, je déconne. C'est sûr qu'il se lèveront, mais non. Il lâche pas. Arrêtez de dire des conneries, il se lèveront pas. Il se met un. Mais arrêtez, les gars. Ou alors, il est très discret, mais non, mais on aurait vu un mouvement. Non, merci beaucoup Lalia SNB, dis-moi Total, merci qui m'envoie, elle m'envoie un very good, very good. J'espère que tu passes un bon moment. Non, c'est pas mal, on en refera aussi, hein, du venez discuter tranquillement. Il faudrait que j'aille sur mon téléphone en même temps, comme ça du coup vous avez... Comme ça, ça pourra pas planter là cette fois-ci. Mais il faut que je vais peut-être sélectionner un dernier live à infiltrer. Je relancerai plus tard un live. On fasse un peu de musique. Bon, elle. Laquelle, les gars, vous voulez? Celle-là? Non, les meilleurs, c'est pas les DZ, faut pas abuser non plus. Bah, si, les DZ, c'est les meilleurs. Faut pas exagérer. L'Algérie. T'as la Jazaïr? Bon, elle l'exouz. Tiens, t'as quoi, toi? Deepstross, les gars, Gotéo. Gotéo, Deepstross, les gars, dans le chat. Merci. Hey. C'est un blédard, lui, non? Il a grave d'être fun, lui. Ça va? Ouais, toi? Ouais, bien, je suis à la grande place ici, toi. En fait, je m'en fous de ta vie. Quoi? Nexted? Ça, c'est dit, ça, c'est fait, au revoir. Mais elle est sérieuse, attends, oui, bon, on le défend, Laurent. Hein. On bat les couilles. Oh, je la termine. Elle est sérieuse, elle? Ah, j'avoue, Salam ne l'avait jamais sorti. Attends. Il a ragé, ouais, il a mis Nick Taras, il a ragé. Nick Taras avec RA2SE. Oh, ah, je suis putain. Morte. Franchement, respect à toi, cher boss. Ah, Nick Taras, oh, t'es frustré de la vie parce que je t'ai descendu. T'es rien, tu seras bloqué dans un cage à poule, elle est descendue. Dispo ou dispo pourquoi? C'est un deuxième compte? Ah, c'est son deuxième compte. Elle est vas-y, sérieuse, elle. Mais oui, tu le je connais. Je démarre direct ou je la joue tranquille. Attends. Sur mes multi. Ah oui, c'est quand oui, même oui. Ban direct. Suspendi gueule, par contre, calme-toi. Les modos, s'il vous plaît. Vas-y, tu peux monter tes VIP.
Ah putain, elle, a pas, elle m'a pas pris. Je vais enlever le chat. Attends, attends, parce que j'ai pas de t-shirt, du coup, genre, je suis un peu semi-awalp. Ah ouais, ouais. Faut mieux éviter. Bah ouais. C'est bon, ça te voit, je suis VIP maintenant. Bon, Bernard, t'es là ou pas? Salut. Oh, j'ai envie de la terminer, je suis en train de contenir, j'ai envie de la terminer. Tu sais ce qu'il a. Comment elle annexe? Elle a dit quoi? En vrai de vrai, j'ai pété une barre, c'est pourquoi j'ai pété une barre. Parce qu'elle m'a dit quoi? Elle a dit. Non, y'a personne qui monte, y'a que les VIP et tout. J'ai fait ah, d'accord, attends, j'arrive. Ah non, mais j'avoue, j'étais pas prête à celle-là. Dispo pour une cam. Mais y'a pas de dispo pour une cam. Ah, elle veut pas. Salut. Oh là là. Salut Loulou. Salut tout le monde. Dites-moi. Dites-moi quand il y a un sgag, hein, les gars. Non, c'est j'entends Loulou, Laurent. Nathan. C'est pas la belette, non? J'entends le renard et la belette. Le loup, ouais. Le renard, la belette. Vas-y, je peux pas, je peux pas, je peux pas, les mecs. Elle veut pas prendre en vocal. Elle prend que des VIP, apparemment. Je sais pas ce que c'est. Ce statut VIP à la con de merde. Il s'est fait bombarder, le mec. Non, elle, elle doit être nulle. Comment ça remonte? Ça sert à rien. Laquelle? Elle? Je reste pas longtemps, je voulais juste faire un coucou. Je savais pas que ça existait, ce genre de CFG. Attends, en termes de maquillage. Même moi, je fais un live vite fait. Parce que là, je me suis posée, ma fille, elle est douchée, elle a mangé. J'ai juste la vaisselle à faire. Donc là, je me pose un peu et voilà. Action, c'est le top, ouais. Non, non, franchement, je trouve que c'est une bonne invention. Celui-là qui a inventé Action, il a tout compris. Les modos, s'il vous plaît. Mais il n'y a pas d'injection de Botox, elle est tout à fait... Moi, je la trouve un peu naturelle, elle a juste forcé un peu sur le fond de teint, mais elle est totalement naturelle, hein, les gars. Arrêtez de dire que c'est Lipoutou ou Boustiflore. Hein. Qu'est-ce qu'il a dit, Craven? Non, j'ai transpiré encore là, je vais aller faire mon ménage, il fait moins chaud. T'as raison, ouais. C'est bien de faire le soir aussi, en fin de journée. Elle refait les lèvres, mais pas les chicots. Il fait un petit peu moins chaud. Non, quoi? C'est top. Trop la flemme. Tu perds sa lèvre, il y a un trou c'est dans bien. La couche de zone. Quoi? Bekao, oui, dis-moi, dis-moi qu'elle elle te plaît, comme ça tu vas calmer tout le monde. Ça, c'est une vraie femme. Mais si, c'est naturel. Bon, je vais lui parler de toute façon, je vais lui demander ce qu'il y a de vrai. Racine, il commence à arriver. Comment ça m'énerve, je déteste ça. Mais le problème, c'est que là, si je refais des mèches, laisse tomber, mes cheveux sont morts. Ok, ça y est, vas-y, à tout à l'heure, je passerai après ou on se capte après, de toute façon, il n'y a pas de souci. Salut, je suis youtubeur. Ah ouais? Bah, félicitations. J'aimerais te poser des questions. Mais en fait, quand tu dis que t'es youtubeur, on dirait que c'est un statut de ouf, tu vois. Moi-même, le mec, c'est le prince de je sais pas d'où, franchement, je m'en fous. On dirait que c'est un statut de fou. Même Macron, il vient sur mon live. La vérité, je lui parle comme les autres. Jureux, j'ai une amie qui fait un PK. Ok, vas-y, pas de soucis. J'ai 100K abonnés, sérieusement. Et qu'est-ce que tu fais sur Bigot? Qu'est-ce que tu viens faire sur Bigot? Bisous, Masai. Elle est partie. Ouais, la forme, et toi, Mickaël? Putain, allez. Ah. Pourquoi tu rigoles? Ah non. Non, c'est nerveux, je crois. Ah ok. Bah c'est mon personnage. Non, non, mais c'était même pas pour toi. C'était pour la simplicité, en fait. Il m'a fait rire. Okay. Alors, ça se passe qu'on travaille sur YouTube en tant que YouTubeur. Ah ouais, je suis YouTubeur, donc je suis vidéaste, hein, je produis des vidéos, je cherche de nouveaux artistes. D'accord. Et tu m'as, à vrai dire, tapé dans l'œil pour un court-métrage que je vais réaliser en banlieue parisienne, donc si t'es disponible dans une semaine.
J'ai juste quelques questions à te poser avant. J'aimerais savoir juste ce qui est vrai dans ton visage. D'accord, vas-y, je t'écoute. Au niveau des lèvres, c'est vrai que si je perce, ça fera un trou. Ça va exploser en fait. Je te jure, ça va être une explosion. Ça va être un peu. Non, j'allais dire un truc, ça se fait pas, la vérité. J'allais parler de Beyrouth, ce qui s'est passé, mais j'allais D'accord. comparer à ça, Non, mais ça se fait pas. hashtag croto. Donc, je pose des questions à des artistes, avant tout sur Bigo, pour savoir un petit peu comment, quelles opportunités vous avez avec l'argent. Comment vous générez de l'argent? Bah, en faisant des targets. Ah, tu connais pas le fonctionnement de Bigo? Oui, c'est pour ça que je pose des questions. D'accord, ok. Bah, en fait, il faut rentrer dans une agence. Donc, tu as beaucoup d'agences. Donc, tu choisis l'agence que tu veux. Ensuite, tu as des paliers à gravir. Donc, plus tu montes dans les paliers, ça s'appelle des targets, plus ton salaire sera élevé. Et toi, c'est ton activité principale ou c'est un truc Non, que tu as à c'est côté? un complément. Moi, quand je suis arrivée sur Bigo, c'était pendant le confinement. Je ne souhaitais pas rentrer en agence. Je streamais pour le plaisir et je suis rentrée en agence que depuis le mois dernier. Il faut absolument être dans une agence pour gagner de l'argent ou on Oui. peut évoluer tout seul? Alors, il faut être dans une agence, mais à ce qui paraît, tu peux travailler directement pour Bigo. Donc ça, après, je ne sais D'accord. pas trop les procédures à faire, mais normalement, oui, c'est en agence. D'accord, ok. Nicolas Anelka, retire ta perruque, frère. Et Merci, j'avoue, j'étais. Nicolas Anelka, la vérité sur ma vie, j'avais pas pensé. Non! Comment Bah il oui, s'appelle le j'imagine. rappeur? Non, J'ai fait un non. lissage brésilien là. T'aimes bien? Un rappeur, comment il s'appelle? Attends, ça va me revenir. On me prend souvent pour Jul. Pour Jul? Ah ouais, il y a un petit air de Jul. En plus bronzé, mais ça va. Tu déclares aux impôts. Ouais, est-ce que c'est une activité? Voilà, bonne question. Est-ce que. Attends. Alors, non, Déclare. Bigo, c'est une activité. Oui, c'est une activité qui n'est pas déclarée puisque c'est pas en C'est France, pas des quoi. gros revenus, ouais, pour l'instant. Non, il y en a qui se font des très bons salaires, il y en a qui peuvent se faire 3 000, 4 000 euros, 5 000 euros sur Bigo. Par mois? Par mois, ouais. Et là, faut screener ta Attends. tête. Eh, faut screener sa tête, la vérité. Non, mais attends, parce que là, je suis sur YouTube, je galère à faire mes vues. Je gagne, je suis en statut auto-entrepreneur, je gagne quoi? 300, 400 euros par mois, grand max. Oui, mais attention, après, c'est un investissement. Ceux qui tapent des 3, 4, 5 000 euros par mois, c'est leur activité principale, Bigo. Ils font que du Bigo. Ils font des plus de 90 heures par mois, des plus de 100 heures Ouais. par mois. Mais le contenu, est-ce qu'il y a vraiment des gens Non, talentueux? un des deux. Ou alors c'est comme les personnes de la télé-réalité, c'est-à-dire qu'ils sont là, ils juste s'affichent et c'est tout. Alors, il y en a qui ont du talent. Il y a vraiment des gens qui ont vraiment du talent sur Bigo. D'autres qui n'ont pas forcément un talent, qui ont peut-être une personnalité qui plaise. Et d'autres qui réussissent avec leur corps. Donc ça dépend. Chacun choisit ce qu'il veut. Et toi, c'est ton talent que tu as choisi, dans quelle voie tu t'es Moi, j'ai pas de talent. Moi, j'ai pas. Enfin, je suis là, je suis juste moi-même. Après, voilà, je pense qu'il y a aussi la personnalité qui fait te démarquer par rapport à d'autres. D'accord. J'ai eu un a priori avant de venir. Je pensais que tu étais une fille très superficielle avec qui n'avait rien dans la tête. Et en fait, j'ai une discussion tout à fait posée. Et c'est très réfléchi et j'aime bien. Donc ça, je note. Alors ça, c'est beaucoup ce qu'on me dit. Donc les gens qui prennent le temps de rester posés sur mon live, comme je dis toujours, l'habit fait pas le moine et faut pas se fier à juste une apparence, quoi. Ok. Tout simplement. Donc, non, non, en plus, tu présentes très bien. Hein, j'essaie de te vanner, mais en fait, il n'y a rien à dire, tout est parfait. Personne n'est Juste. parfait, le beau gosse des îles. Non, non, mais Salut tu, en Polo. fait, tu plairais à un ami que je connais qui s'appelle Aker. D'ailleurs, je ne sais pas si tu regardes le live. J'aimerais bien te faire une passe décisive. Elle a l'air d'être open, elle rigole en plus. Donc, Non, Berus, il est Aker. parti à un PK. Donc, Aker, Elle se voilà. supporte Et, peut-être très bien, elle est mais toute à toi. Ben, enfin, je doute qu'elle soit célibataire, une fille comme ça. Normalement, sur Internet, c'est une perle pure. Elle est pure, hein, cette fille. c'est très gentil. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Elle se supprime peut-être très bien. Elle se supprime. Mais les superficiels, j'en suis sûre, je me trompe jamais. Bah, si tu le dis, écoute, hein. De Non, toute non, façon. je lui parle et elle n'est pas du tout superficielle. Ça se voit qu'elle en a dans la tête. C'est pas comme toutes ces michetots qui n'ont même pas eu un bac STG, qui se la racontent soi-disant à faire des hauls et des vidéos sur YouTube, à leur montrer leur nibar, alors qu'elle, elle met sacrés atouts, mais voilà, elle les montre pas du tout. Elle est là simplement avec son talent d'animatrice, animer son live et elle ne demande rien à personne. Donc je t'emmerde, toi et ta gueule de con à parler mal sur elle. Merci pour
pour ton commentaire, non, le beau gosse. Tu dois recevoir voilà les messages haineux et tout. Et alors, là, je me rends compte, alors sur Bigo, comme sur tout réseau, faut savoir que tout le monde en a pour son grade. Je pense que même les gens connus en ont pour leur grade. C'est la base. Il faut jouer le jeu. C'est-à-dire que après, soit tu arrives à faire abstraction, ou soit tu arrêtes, c'est pas pour toi. Donc, moi, ça m'atteint pas parce que je sais ce que je vaux. Et les gens intelligents comprendront qui je suis. Voilà. Ok. Elle en a dans le citron, ma foi, la simplicité. Vous voulez te dire que tu es vraiment une femme très charmante. Salut, JD. Alors, voilà. Après, ce qui est bien, c'est que sur ton live, tu peux expulser les gens. Et j'ai aussi des admins. Donc, tu mets des administrateurs, des gens qui sont là aussi, en complément de la gestion de ton live. Déjà. Okay. Donc, ça, c'est bien. D'accord. Ça se fait tout le temps sur mais le ça, live. Du coup, à chaque live, il faut qu'il soit présent. Du coup, sinon, tu ne vas pas être tranquille. J'ai le droit, par exemple, moi, au niveau que je suis sur Bigo, je peux mettre 8 admins. Par exemple, ça peut arriver que je lance un live, mais mes admins ne sont pas tout le temps derrière mon live. Ils ont une vie aussi, tu vois. Donc après, ça, tout dépend qui va être là. Donc s'il y a une personne que je connais qui n'est pas admin, c'est un service qu'ils rendent. T'as pas, tu les embrouilles pas quoi s'ils sont pas là, par exemple. Ah non, non, pas du tout. Ok. Pas du tout. Après, en général, les gens que je vais mettre admin, ce sont des gens que j'apprécie. On s'apprécie mutuellement et du coup, ils aiment bien les gens aiment bien être admin. C'est comme une responsabilité en fait. Bah pour eux, oui, parce que du coup, ils vont t'aider, et s'ils peuvent t'aider au quotidien, et si, ça reste un beau geste. Il faut s'adapter. Bah, y a des cons partout, que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, tout simplement. D'accord. Donc ça, je vais peut-être en parler sur ma vidéo, que Bigo, en fait, c'est pas une application uniquement pour des michetots, quoi. Donc ça, c'est alors, ce que je vais noter. Non, parce que c'est à la base, Bigo, c'était pour les gens qui sont dans la musique. Pour promouvoir leur talent, leur... D'accord, okay, parce que moi aussi, je fais un peu de la musique, je fais un peu de guitare et tout, donc... Voilà, à la base, c'est ça. Ouais, c'est une application dédiée vraiment pour les artistes. Et après, bon, bah, du coup, ça s'est un petit peu diversifié, quoi. D'accord, ok. Est-ce que tu arrives à avoir, par exemple, des collègues, enfin, d'autres comment on appelle ça, des bigoteurs, c'est ça? D'autres bigoeurs avec qui tu t'entends bien et vous faites des feats, des featuring comme on fait par exemple nous, moi sur YouTube, par exemple, moi je fais régulièrement des featuring avec The Kerry, je sais pas si tu connais, c'est un YouTuber, Master Snaku. Ouais. Et là dernièrement, j'ai un projet avec Gotaga, donc c'est des YouTubers, donc en gros ça brasse les communautés, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des joueurs. Merci, J47, je peux pas. Alors nous, on a un truc sur Bigo, ça s'appelle des PK. Donc les PK en fait, c'est pareil, donc l'écran est plus petit, on est à deux. Donc, ça permet, on peut communiquer. Et en fait, les gens, donc le but, c'est de gagner le PK. Donc, les gens, ils sont là donc pour t'envoyer. Le PK, c'est quoi? C'est le point kilométrique? Ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Qui peut donner la définition du PK? Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Il y en a qui connaît. Dans le chat, ouais, si quelqu'un peut aider, comme ça, j'enregistre. Live House? Player comment kill, ça, Live House? Player Kill. Gotaga. Voilà. Donc, ça veut dire ouais, player... Gotaga, c'est sympa. Player Kill, tu peux noter. Player Kill. Ok, player, kill. Ok, donc ça c'est l'élément important à connaître, ouais. Ensuite. PK égale VS, oui c'est ça. Par exemple, ça va être poupée blondie, VS, la simplicité. VS est égal ou VS, égale, le beau gosse des îles. En fait, c'est un duel. Si je pondère, je suis à 1 sur X au cœur. C'est pas évident quand même, il y a beaucoup de formules en fait. Non, en fait, si tu veux, le problème de Bigo, c'est que quand tu arrives, tu es un petit peu dépassé. Il faut un temps d'adaptation. Ouais. Donc, c'est normal. On ne veut pas de PK, on veut l'exclusivité. Ouais, moi, les gens, ils n'aiment pas quand je suis en PK. En général, les gens qui me suivent, dès que je suis en PK, ça ne plaît pas trop. Il y en a, ils n'aiment pas trop les PK. Parce que je suis allé sur d'autres bigos, voilà, il y a beaucoup de featuring. En gros, il y a plusieurs cases et tu peux même participer si tu as envie. Voilà. Tu as juste qu'à demander. Et... Ah non, alors ça, ce n'est pas un PK. Ça, c'est un ça s'appelle un live multi. C'est-à-dire que là, je suis en solo. Mais je peux faire des lives à plusieurs, comme sur Instagram, tu vois. Ouais. D'accord, ok. D'accord. Et ce qui te rapporte le plus, là où tu sens que tu étais en overbuzz, là il y a beaucoup de gens qui te font des dons, c'est à quel moment par exemple? C'est tard la nuit, il y a des créneaux à streamer ou Non, il n'y a pas vraiment de créneaux. Après, on organise des PK officiels, des PK famille, donc ça permet de monter dans ta target en fait. Donc ça, c'est plus... Est-ce que tu connais l'application Smule JT? C'est une application pour faire du karaoké en live avec des inconnus. Pas du tout.
Okay. Pas du tout. Parce qu'en fait, ça a fermé cette fonction et je voulais voir si sur Bigo, on pouvait faire maintenant des concours de chant et notamment si tu serais intéressé pour chanter avec moi. Mais attends, okay. tu comptes faire un sujet sur Bigo ou pas? Ouais, un sujet sur Bigo avec... En gros, je cherche juste des intervenants. Donc, ça ne te dérange pas si je prends ton pseudo? Non, mais en fait, le problème, c'est que si tu fais de la pub pour Bigo, est-ce que tu fais un partenariat avec Bigo que tu puisses quand même bénéficier de quelque chose? Ah non, là, c'est juste pour informer la communauté YouTube qu'il y a une application sur Bigo là où tu peux gagner un maximum de pognon, quoi. Oui, mais justement, donc tu vas faire venir des nouveaux streamers sur Bigo. Pas naïve, en fait. Hein. Hey, mais elle est vraiment pas naïve. C'est grâce c'est à Polo. En fait, finalement, c'est de la pub, en fait, finalement, que je leur fais. Bah oui, c'est Polo qui vient de me... Polo, c'est un de mes administrateurs. Mais elle est smart. Moi, mais il faut que je rencontre un admin du coup de Bigo. Un admin non, français, non, il faut que tu t'adresses, il faut que tu contactes Bigo directement. Le siège, en fait. Parce que là, tu vas leur faire Bigo. De la pub. Ouais. Si tu me dis, tu as combien de cas sur YouTube? Je suis à 100 000 et sur Twitch, je suis à 64 000. Bah écoute, je pense que tu peux leur demander quelque chose. Donc avant de lancer quoi que ce soit, contacte Bigo. Voilà, t'expliques ce que tu comptes faire, t'expliques ta tant d'abonnés, etc. Et que tu souhaites voilà, faire ça et que tu veux une compensation. Sur Insta, j'ai eu dernièrement, j'ai eu les. Merci Kevin. 000. J'ai eu les swipes et tout. Ouais. T'as combien sur Insta, toi? Ah non, moi je suis pas une meuf d'Insta. T'aurais dû, hein, tu peux te faire un maximum avec les partenariats, les OP. Non, je pense pas que. T'es en train de rater un truc, hein. Je pense pas. T'as vu le corps que t'as, mais t'as vu, t'es physiquement, tu pourrais plaire à bon nombre de personnes. Tu vas être riche sur Insta. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais n'importe quoi, je suis une meuf normale. Non, mais tu plais à beaucoup de gens, c'est sûr et certain. T'as vu le nombre de likes que t'as ici. Mais moi, je suis un bébé ici. Va faire le tour sur Bigo, tu vas tomber sur d'autres comptes, tu verras. Il y a du lourd ici, il y a vraiment du lourd. De toute façon, tu viens d'arriver. C'est la première fois que je vois une fille pas exploiter ce potentiel avec son physique, qui reste normale sur ses loup-boutins, enfin sur ses talons. J'ai même pas de loup-boutin. De loup-boutin, la vérité. J'ai des Nike. Moi, j'ai des Nike. Je suis en basket, la vérité. Et en fait, elle n'exploite pas le Insta parce que le nombre de filles qui vont sur Instagram justement pour connaître la gloire et avoir un maximum de followers et avoir des marques qui les payent pour faire ne serait-ce quelques stories. Le prince. Et toi, tu t'en fous complètement, quoi. C'est dingue. Bah oui, parce que moi, je suis maman déjà. J'ai 32 ans, je suis maman. Je suis auto-entrepreneur, j'ai une vraie vie, tu vois. Donc en fait, je suis pas une meuf faire de la télé, des réalités ou des choses comme ça, tu vois. Ok. Et OnlyFans, tu connais ou pas? Comment? OnlyFans. Non, pas du tout. En fait, c'est un site qui te permet de mettre des photos de toi, un peu, par exemple des photos exclusives là où tu es dénudé. Et les abonnés, ils doivent payer pour les regarder. Non, je ne fais pas. Non, je fais pas ça. Déjà, je... Non. Non, c'est pas. Ah je rate un truc, hein. Mais après, je rate quoi? Comme t'as des enfants. Je pense que je suis pas. Voilà, j'aurais été. Et encore, ça, c'est toi et tes valeurs, en fait. C'est toi et tes principes. Ça, après, je respecte hein, les femmes qui le font. C'est tout à leur honneur. Elles assument, il n'y a pas de souci. Mais ça, c'est propre à chacun. C'est toi et tes principes, en fait. Même des photos de pieds, t'es pas intéressé? C'est que ça plaît à beaucoup de gens, des photos de pieds. Ouais, il y a les fétichistes. On a des fétichistes des pieds ici sur Bigo. Salut, Général. Par respect. Respect, je sais pas si le chat regarde les gars, mais applaudissez-la parce que je prends une claque. Depuis tout à l'heure, je pensais, j'étais sur mes a priori, mais... Attention, il ment, ça sent, il veut te gérer. T'inquiète pas, le prince. Non, peut-être que c'est vrai, c'est vraiment... Non, ça va, je vais pas la gérer, de toute façon je subis, donc quelque part... je suis en alternance. Il y a des mois là où... j'aime bien... Ouais. Il y a quelqu'un dehors, fais attention. Ouais. Oui, mais moi je suis une vraie commère en fait, donc c'est pour ça. Non, moi je subis. Après j'ai mes périodes. Hein. Par exemple, peut-être que le mois prochain tu m'intéresseras et éventuellement je te demanderai ton. Merci Général. Non, bah écoute, en tout cas si c'est vrai, moi je te conseille vraiment de contacter Bigo et de ne pas leur faire de la pub comme ça gratuitement et de ramener des gens. Voilà quoi. Tu connais, là j'ai contacté un mec sur Bigo qui est dans une agence, c'est Gnognon. Non, je crois que ça n'existe pas. Non. Si, Gnognon, si, il fait souvent des lives comme t'appelles, là, les PK là, en featuring. Il en fait plein et là, il m'a invité, il m'a même mis modérateur sur sa chaîne hein, parce qu'il a vu que j'étais youtubeur et il veut sucer le buzz.
Merci, ma poupée. Excuse-moi, j'avais pas vu. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est ah, parce que depuis tout à l'heure, je l'écoute en bas, tu vois. Et... Ouais. Non, moi, la seule différence, je vais pas me montrer par rapport à toi. Ouais, franchement, comme ça fait le mec qui veut la recruter, quoi. Mais même là, si tu tombes de... Il connaît pas. Même si tu tombes de haut depuis tout à l'heure, tu vois, je peux comprendre. On a reçu tous les messages comme quoi il va y avoir des youtubeurs qui vont rentrer et tout sur l'application. Mais gros, mais... pourquoi tu te mêles de ce qui se passe? Et alors, même si je travaille pour une agence, en quoi ça peut... Et alors, moi aussi, je suis broadcaster aussi, comme ma poupée, tu vois. Ouais, mais c'est broadcaster qui m'intéresse et je pense qu'elle a un sacré talent dans la comédie. C'est pour ça que moi, je te montre pas ma tête, parce que tu peux pas savoir si d'un coup, moi aussi, ma tête pourrait te plaire. Tu vois ce que je veux dire? Merci, La Roche. De quoi tu parles? Non, non, mais vous allez pas vous embrouiller. Venez, on parle juste normal. D'accord? Non, ouais, non, mais il va se calmer, Blédard, là. Et retourne à Warzazat et nous casse pas les couilles. Non, non, alors je t'arrête tout de suite. C'est un de mes admins et Bérus, je le connais très bien. C'est une personne que j'apprécie fortement. Donc, il n'y a pas de lieu de mal lui parler parce que toi, je te connais pas de base. D'accord, tu vois. Ok, non, non. Donc, je connais plus Bérus. D'accord. Ok, donc je tiens à m'excuser pour mes propos. Donc, mais parler, là, on peut donner. T'inquiète pas, je t'en veux pas ce que tu viens de dire. Ouais, je suis un être humain comme tout le monde. Hein. T'inquiète pas. Salut le Joker. T'es derrière la Méditerranée. Derrière la Méditerranée? T'as tout bien compris ce que je voulais dire. Enfin, bref. Ah, pas du tout, non, pas du tout. Non, non, Bérus, il est de France, hein, je te rassure. Ah. Attends, il est français, lui? Oui, bien sûr. Oui, je suis français, mon pote, et 100% français en plus. Ah bah désolé, oui, très bien, le Joker. Et toi. Ah, pas du tout. Je suis 100% français, tu vois. Et j'habite en plein sud de la France, salut, même si tu veux savoir. Tu es gitan alors, un truc dans le genre, je sais pas, non? Non, je sais pas, parce que c'est merci, que cadeau de la vie. Bah, l'accent du sud. D'accord, ok, j'avais pas. Il a cru que c'était un rebeu. Ah oui, bah il est du sud. Mais il est de France. D'accord, ok. Voilà. Et tu vis en appartement parce que Bigot, ça doit pas être évident, hein, tard la nuit quand tu dois parler et tout, non? Ou t'es en maison? Vivre en appartement? Mon pote, moi je te jure, je travaille sur Bigot, j'ai jamais touché une fois ma paie, je fais des 120K, je fais des 700 euros par mois, mais je touche 3000 euros par mois, alors Bigot, j'en ai rien à foutre. C'est juste pour passer le temps. Je parlais en fait à la demoiselle, mais pas. J'ai pas entendu, pardon. J'étais en train de. Non, je disais, ouais, est-ce que tu vivais en appartement ou en maison? Parce que l'autre, Jean-Rachid, là, il commençait à parler, il m'a. Non, mais c'est bon, les sous-entendus comme ça, après, je suis pas là, moi, sur mon live, ça se passe toujours bien, il n'y a pas d'histoire. Et je veux pas que ça commence les histoires. Mais pourquoi? Alors, je sais très bien, mais pourquoi il se justifie, il m'annonce son salaire? Parce que moi aussi, hein, je peux lui dire combien je gagne. Hein. Ouais, mais toi, tu gagnes en travaillant sur une chaîne. Oui, bah, je prends des profils. Il y a des profils qui m'intéressent. Salut, je trouve qu'elle est très intéressante, qu'elle a les pieds sur terre. Voilà. Mais donc, non, bah, ça sort, il n'y a pas de problème. Ça, sur ça, je suis d'accord avec toi, elle a les pieds sur terre. Voilà, donc ne manquez pas de respect. Et j'espère qu'il y a des personnes dans le chat voilà, qui vont lui faire des dons de beans. Et je vous encourage à lui voilà, faire monter ces profils-là sur Bigot parce qu'elle le mérite clairement. Quoi. Et elle doit avoir des très jolis pieds. Et si je puis me permettre, tu ressembles, voilà, on dirait une vraie petite Barbie, voilà. Non, j'aime pas les Barbies. Pas une Barbie. La Pocahontas. J'ai un doigt qui se démange tout à l'heure. Jess, elle est là ou quoi? Jess, elle voulait me dire un truc. Ouais, je l'ai vu, il y a encore Jess. Ouais, il y a encore Jess. Ouais, Bérou, prête pour demain. On a pris un... Non, alors déjà, c'est pas comme ça que ça se prononce. Ouais. Ça se prononce Bérus. Bérus, on a pris un mauvais départ, toi et moi, je suis désolé, j'ai été un peu agréable. Non, c'est parce que, tu vois, comme tu dis, tu vois, je suis donateur chez elle. Attends, et c'est une personne que j'apprécie. En gros, le peu que j'ai compris en bas, pour moi, c'est que tu voulais la, on pourrait dire, la recruter pour toi. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Non, non, au début, ce n'était pas trop ça. Au début, mais je ne te cache pas que je voulais vraiment la charo, tu vois. Voilà, et dis-toi, tu as eu de la chance que j'ai vu que tu étais en haut. Parce que je pense que tu as compris déjà un peu le système de Bigot. Ouais. Elle a des amis dans son live. D'accord, ok. Tu as failli te prendre un bigger wine de ma part et te faire éjecter du live. Je connais. Ok, bah désolé alors. Tu vois, pour dire, je suis resté carré, poli. J'ai attendu vraiment, tu vois. Ouais, après, mec, je suis un YouTuber. Donc, tu vois, j'ai beaucoup de followers qui me suivent. J'ai une grande communauté. Ok, tu es YouTuber. Moi, je suis bigover et je suis testeur de jeux vidéo. Ah ouais. Et c'est pas pour ça que je m'en vante. Ma connexion fait toujours les siennes. Ah bah ça tu l'avais pas dit, d'accord. Ah ouais, d'accord, c'est bizarre ça.
C'est pas pour ça que je m'en vante. Tu vois, par exemple, dans Black Ops 3, je suis 800 mondial français sur 1 million de joueurs. Il faut encore que je fasse un dernier échange. Il faut que je trouve quelqu'un pour un échange. D'accord, ok. Salut, Pat. Et j'en ai rien à foutre. C'est juste un temps et un passe-temps. Oui, je t'ai dit bravo, Jess. Ok, ok. Bah, je pouvais pas savoir. Je suis désolé. C'est pour ça que je te dis, tu peux pas savoir les personnes. D'accord, et tu travailles à Micromania, un truc dans le genre, c'est ça ? Ma vie privée, qu'on regarde personne. Ok, ok. Quoi ? Je garde toujours mon jardin secret. D'accord, alors permets-moi de te dire, ça va, tu la protèges bien, tu étais venu... Ah oui. T'as raison. Ah ouais, oui, je te jure, je peux sortir les dents pour elle, comme Polo qui est en bas, qui écrit, peut sortir les dents pour elle. Il y a Jess aussi, elle peut sortir les dents. Ça, je t'ai dit, il y a des amis, mais on peut devenir, entre guillemets, méchant, mais toujours dans la politesse. Mais ça manquait de respect. Bon, du coup, le conseil, c'est dans les amis, la vérité. Dans son cercle de la zone d'amitié avec elle, c'est ça ? C'est ça. Eh hey, mais sérieux, depuis tout à l'heure, je vous dis, les admins, j'ai été ban. Aucun admin qui a réagi. En fait, vous m'expliquez c'est quoi là ? Si, si, moi qui suis monté, t'as vu ? Non mais je suis d'accord, quart... mais à un bout d'un moment, je commence à dire, les admins. Non mais là, on a au début ça allait, après ça commençait à me saouler, la vérité. On n'entend pas parler. Moi, la vérité, hein, je vous jure, hein, j'aurais été sur le live de Inès, il y a un truc comme ça. Moi, je vois sa tête, un bout d'un moment, elle est saoulée. Il faut réagir, les gars. Déjà, quand j'ai vu sa tête en bas, j'étais mort de rire. Ouais, on dirait qu'il avait une perruque sur la tête, le mec. YouTubeur. Ouais. C'est ce qu'il a mis. Après, je ne sais pas ce qu'il dit, si c'est vrai ou pas. Je ne sais pas. Mais au début, bon, c'était sympa et tout. Mais un bout d'un moment, c'est bon. On va pas être comme ça pendant une heure. Je veux plus de feu. Oh, je te jure, il m'a mis tellement en stress que j'ai roulé une clope. C'est une perruque. Ah bah oui, bien sûr. Déjà, dès que j'ai ouvert la cam, j'ai vu ça, j'ai fait « Ah ouais, d'accord. » Ouais, mais quand je l'ai vu qu'il voulait te recruter, je te jure, j'ai la tête, elle a fait 180 degrés, moi, en bas, train de pas charler. Non, il n'y avait pas de recrutement. C'est-à-dire qu'il vient d'arriver sur l'appli, c'est un nouveau level. Et ouais. Du coup, d'après ce qu'il a dit, il souhaitait faire un reportage sur Bigo, quoi. Ça aurait ramené des youtubeurs sur Bigo. T'as fait tes placements, du coup? Oui, j'en ai fait, et il faut que je trouve encore un échange. De combien? J'aimerais bien faire un échange de 2K. Ah, oh, putain. Tu les as? Ouais, ouais. Ah oh là là, je suis trop... Sûr? Bah oui. Ah, oh, putain. Voilà, c'est à moi, tu me les dois. Non, mais papa. Oh, ah, c'est... attends, c'est Grosdon, c'est Overbuzz. Pour mon fait 4 de demain. Mais il faut que je gagne mon c'est pas grave, il m'a reste encore un cas demain, si oh, tu veux. Oh putain, je vais le nick. Et là, c'est voilà, là, c'est Overbuzz. Non, merci. Pas en plus là, c'est Samba, c'est Grosdon. Putain, pourquoi tu m'as... Mais genre, elle se plaint. Oh, eh ben, tu fais... C'est un PK Eh ben, tu peux faire une grosse conversion pour encore plus haut pour demain. Et tu me rendras ça plus tard. Mais il donne des thunes tous les jours. Voilà, là tu peux te faire une plus grosse conversion, tu peux te chercher 5K et t'as juste j'espère à mettre dans qu'il a des l'agence, photos, lui, hein. Tu trouveras du monde. Et puis façon de jouer, déjà je comptais t'en balancer un aujourd'hui. Il est content, il non, rigole. Parce que j'ai gagné. Arrête. Non, sérieux, je vais pleurer là. Ce money slave. Je vais pleurer. Impossible. J'ai tapé un big win de 750 times, alors t'inquiète pas. Tu comprends pas que je veux gagner mon PK international, toi tu m'envoies deux shields la veille de mon PK international, Kevin. Et alors je serai là encore demain, t'inquiète pas, je suis pas parti. Gros don. Merci Rat Blanc. Oh putain, j'en ai marre. Je sais pas pourquoi j'ai dit Rat Blanc. Par contre, voilà, Chico de Lagadji. Cherche-toi là, tu cherches tout à l'heure, tu balances un message dans la famille. Et tu dis que tu recherches 3K maintenant en échange, parce que je viens de t'en passer 2. Oui, mais moi, c'est que je le voulais pour demain. Eh ben, dans la famille, tu demandes à Aquaman ou quoi, ils les ont, j'en suis sûr. Aquaman. J'ai placé sur un dragon. J'ai un échange. Un dragon. Après, c'est clair que... Mais qui connaît les conversions, les gars, les dragons, les Aquaman, tout ça, je comprends rien. On va faire un deuxième échange de dragons. Après, ça sera des shields. Les shields, ça vaut combien un shield en euros? Et moi, du coup, j'ai un petit peu arrosé un peu à droite à gauche. Donc, j'espère que ces gens-là vont repasser demain pour faire pareil. Quoi. Ouais, mais en train, vaut mieux en rire. Merci. C'est mignon. Ah, moi, faut les laisser tranquilles. Là, ça, c'est sûr. C'est un monde parallèle.
Inès aussi m'a dit, elle a placé. Bah oui, Inès, c'est ma sœur et c'est ma bille. Eh ben, excuse-moi, mon chien, t'es sous mes pattes. Ah bah voilà. Ça, non, mais un shield, c'est combien? C'est 200 euros? C'est pas grave, Jess. Un dragon, c'est combien? J'attends. Ah bah, Jess, après, c'est compréhensible, la pauvre, elle commence, quoi. Bon, y en a pas mal dans le chat qui ne comprennent rien. T'envoies des messages d'encouragement. En gros, c'est une application, elle reste en stand-by. Bon, écoute-moi, ma chouchou, je te relaisse le maître de ton live. C'est comme Twitch, en fait, mais sur téléphone portable. Merci. Général, bisous. Eh, tu sais quoi, Kevin, il m'a perturbé. Elle a oh non. Ça. J'aurais dû me taire, je te jure, j'aurais dû me taire. Mais non, fallait. T'as été très bien. Bisous, t'as... Général. Merci. Pour merci. Tout. Bisous aussi, Général, pour toi et toi oui, et tout. Viens, toujours. Bisous à toi, t'es très il gentil. Il continue. Eh, je te jure que je vais te kicker. Je te jure, Kevin, je vais te kicker dans la live. Il s'appelle Kevin. Mais il est dans la zone d'amitié, ce mec, ou pas? J'en peux plus. Même je voulais te passer. Bah, c'est non, comme certaines non, personnes, des fois, avec des streameuses. Hein. T'en as qui sont vraiment pire, limite amoureux. Hein. T'aurais pu un petit truc vite fait, ok. Salut Xav, ça va et toi? Dans la zone misère. J'ai besoin d'un conseil urgent. Dans la zone misère sexuelle, vous êtes sérieux, les gars? Tu veux savoir quoi? Salut Lies. Ça va, ma gueule?